Petit placement de produit en début de vidéo. Non, sincèrement, c'était juste pour vous dire que à 56 centimes le paquet chez Noz, on s'en prive pas. Ils sont craquants, bien chocolatés, c'est tout ce que j'aime. Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de Happy Room. Et la dernière fois, on s'était arrêté pile poil juste ici. Et franchement, mais qu'est-ce que j'avais galéré avec ces histoires de scie. Enfin bref, tout ceci, c'est du passé. Maintenant, j'en suis débarrassé, donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va s'attaquer à d'autres défis. Et franchement, ça a l'air bien sympatoche. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas que dans la description, vous avez un petit lien pour acheter vos jeux moins chers sur G2A. Et c'est parti, let's go. Donc déjà, on va tout supprimer. Voilà, ça c'est fait. On récupère 2300 balles, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a à faire? 10 téléportations. On va essayer un petit peu de s'attaquer aux défis dans l'ordre. Ce serait plutôt pas mal. Alors, téléporteur. Donc, un là. Ok, d'accord. Donc, il y en a un où il va rentrer et un autre où il va sortir. Regardez, en plus, il y a quelqu'un qui me l'a dit dans les commentaires. Ça, je l'avais lu. Il m'a dit pour les téléportations, maison 1 en bas, 1 en haut, 1 en bas, ainsi de suite. Ça peut être franchement pas mal, effectivement. Voilà, et je pense que du coup, logiquement... Eh, GG. Y'a de l'idée là-dedans. Eh ouais. Alors je sais plus qui c'est qui m'a dit ça dans les commentaires, mais franchement ça marche bien. Bon bah ça y est, c'est bon. Les téléportations, c'est bon. Installer l'arme sur le bloc. Et sur quel bloc? Consommer 7 cartouches de fusil à plomb. J'ai pas de fusil à plomb. 100 points de dommage. Oui, je sais, ça vous me l'avez dit, mais c'est parce que damage en anglais. En fait, dommage, c'est damage en anglais. Donc voilà. J'ai dit ça, je sais pas pourquoi. C'est même pas 100 points, en plus c'est 1000 points. 1000 points de dommages d'une mitrailleuse. Eh ben déjà on n'a pas de mitrailleuse, donc ça c'est plutôt cool. Ah mais regardez ça, je viens de trouver un truc. En fait on peut améliorer les armes ici. Donc ça c'est plutôt cool. En fait j'ai cliqué là, je me demandais c'était quoi. Les armes à feu, arbalète. Ok, ouais on va essayer d'améliorer un peu tout ça. Ah yes, ok d'accord, je viens de comprendre. Alors là en fait si vous voulez j'étais en train de tryhard parce que je me demandais ce qu'il fallait faire. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai mis plein d'arbalètes partout. Et je me demandais, je voyais cette barre verte monter. Et en fait à chaque fois que la barre elle monte et que ça dépasse un truc, en fait c'est des trucs qui se débloquent. Donc là du coup si je fais stop, ouais j'ai débloqué les miniguns. Ok d'accord, donc du coup je savais pas que ça marchait comme ça en fait. Vous voyez j'étais en train de tryhard de mon côté là tout seul. Et du coup ok, et en plus j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis des arbalètes partout, je voulais tester un truc, je sais pas pourquoi. D'accord, là cette fois-ci c'est bon, j'ai compris. Normalement là ça devrait le faire, allez vas-y, fais péter. Voilà, et bah voilà, bah c'est bon, nickel. Et regardez la barre en haut là, regardez. Dès que ça va dépasser le trait jaune, normalement. Voilà, nouvelle arme, mitrailleuse débloquée. Ok d'accord, voilà si je vais là-dedans, ah bah voyez. J'ai débloqué les mitrailleuses cette fois-ci. Alors c'est pas les mêmes que ceux-là, c'est encore autre chose. Mais en fait c'est trop bien ça, et je commence juste à comprendre le jeu moi. Vous voyez, il faut que j'y joue deux fois pour comprendre en fait. Le premier coup je comprends rien, je fais n'importe quoi. Et le deuxième coup ça va tout seul. Donc on a tout effacé, c'est parfait. Appliquer 2000 points de dommage. Test de la durabilité 3. Ok d'accord, 1000 points de dommage d'une mitrailleuse. Ok bon bah ça, ça va être tranquille. On va installer des petites mitrailleuses tranquillement comme ça. Ok, là normalement ça devrait le faire. Allez let's go. Voilà, je pense que là, concrètement, ça devrait le faire. 1000 points de damage de la part d'une mitrailleuse. Allez! Ah ouais, mais ils sont en train de s'user, regardez. Ah ouais, j'avais pas vu. Ils ont une barre où ils s'usent. Ah merde! On va faire ça, voilà. Ça comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Et là, je pense que ça devrait le faire. Allez, let's go, je pense que là, les 1000 points de damage, on devrait les faire easy. Je pense. Voilà, normalement, j'ai tout prévu, c'est bon. Vas-y, vas-y. Voilà, tu reviens de l'autre côté, c'est impeccable. C'est nickel. Putain, vous voyez, j'aurais dû en mettre un dans le fond, là. Je sais pas si ça va le faire. Ouais, ça le fait easy. Easy, voilà. Tranquille. 15 secondes de vol à l'aide d'une mitrailleuse. Bon, ça, après, ça va se faire par la suite, tranquillement. Les 2000 points de damage, on va les faire. Et on va peut-être même débloquer une nouvelle arme. C'est pas sûr. Allez, vas-y, fais péter la nouvelle arme. Non, on débloquera pas une nouvelle arme. Par contre, on a fait gros de dégâts, là. Là, c'est bon. J'ai rempli l'objectif que je voulais remplir. J'en ai même rempli plusieurs, donc ça, c'est plutôt cool. 15 secondes de vol à l'aide d'une mitrailleuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la mitrailleuse. Voilà, ça, c'est cool. Et on va se faire les 15 secondes de vol tranquillement. Normalement, je pense que ça devrait suffire. Easy. Allez, les 15 secondes de vol. Easy, là. Voilà, ça, c'est bon. Nickel. Et après, il y a les crochets. Alors, les crochets, je les ai pas encore déverrouillés, je crois. Non, 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 pas par là. Mais non. En fait, c'était plus par là qu'il fallait les mettre. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Let's go.
Voilà, là ça devrait le faire easy. Impeccable. Et bah ça c'est nickel. Alors qu'est-ce qui se passe? 1500 points de dommages de la part d'une hache. J'ai pas encore de hache. Là ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de déverrouiller des nouvelles armes. Donc pour ça, on va mettre en place une stratégie, vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Voilà, on va placer 2-3 mines comme ça, entre chaque, au cas où. Bien entendu, au cas où il arriverait jusqu'en haut, on va placer ça comme ça, c'est parfait. Voilà, j'ai enlevé une mine et j'ai mis un ressort à la place. Là, ça va le faire. Allez, cette fois-ci, c'est bon. Voilà, nickel. Allez hop, petite mine, ça c'est cool. Voilà, petit ressort de l'autre côté, et re de l'autre côté. Et là je pense que du coup dès qu'on arrive là, je sais pas ce qu'il y a à débloquer, mais à mon avis ça va être du lourd, je pense. Regardez, oh là on y est, voilà. Et bah voilà, voyez, installer l'arme sur le bloc, c'était ça qu'il me fallait. Et on va peut-être même débloquer autre chose encore. Nouvelle arme, masse d'armes débloquée. Et bah ça c'est plutôt cool. Allez, on arrête l'expérience et on voit ce qu'on a débloqué un petit peu. Installer l'arme sur le bloc. Donc déjà, j'ai déverrouillé quoi? C'est quoi ça? Masse d'armes. Donc ça, ça doit être le truc des crochets. Voilà, AP 5 fois par un crochet. Ok, d'accord. On va mettre un petit fusil à pompe ici. Un de l'autre côté. Donc ça, c'est plutôt cool. Quelques mines, bien entendu. C'est pour le décor, tranquillement. Et peut-être un ou deux petits ressorts. Histoire d'eux. Mais ça, c'est pour la fantaisie. Allez, c'est parti, let's go. Voilà, fais-nous péter les crochets un petit peu et tout, là. Que j'augmente un petit peu l'argent et tout. Donc ça, ce sera cool. C'est mal barré, là, pour l'instant, là, mon vieux. C'est très mal. Ah, quoique. Allez, encore deux fois sur un crochet et ce sera cool. C'est mal barré. C'était très mal barré. Non. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt installé des ressorts cette fois-ci. Histoire de faire les crochets. Allez, un crochet, ça c'est cool. Deux crochets, ça c'est cool. Trois crochets. Et quatre crochets. Il en manque plus qu'un. Voilà, l'histoire des crochets, c'est réglé. Épuiser trois masses d'armes. Ça, je pense que bah c'est réglé, voilà, c'est impeccable. Sept monstres ont mordu un soumis à l'expérience. Ah, va y avoir des monstres en plus. Bon, on va arrêter l'expérience ici, tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais augmenter un peu les mines. Permet d'installer les mines sur le plafond et sur les murs latérales. Vous croyez qu'avec ça, mon vieux, il y a moyen de faire quelque chose? Allez, vas-y, c'est parti, let's go. Voilà. Voilà. Oh, bah, regardez. Regardez, là, on va débloquer un truc, c'est sûr. Je pense, hein. Y a moyen qu'on débloque le truc là-bas. Je sais pas c'est quoi. Allez, un petit effort. Oui. Non, c'était pas par là qu'il fallait aller. Mais j'ai débloqué la hache. Oh oui. Yes. Impeccable. Oh bah là, laisse tomber. J'ai débloqué trop de trucs là. Regardez ça, je suis en train de tout débloquer. Lance-flamme. Carrément, laisse tomber quoi. Voilà, bah canon glacial. C'est bon, on a fini le jeu. On a fini le jeu, j'annonce. Bon, ok, on arrête l'expérience ici. Et franchement, laisse tomber, j'ai débloqué trop de trucs là. Cage avec un monstre, ok, d'accord. La hache, ok, ça j'ai des défis à faire avec ça. Lance-flamme et canon glacial. Mais laisse tomber, c'est quoi ce truc de gueudin là? J'ai tout effacé là, je vais refaire un truc propre. Allez, vas-y, fais péter là. Voilà, là ça devrait le faire. Hop là, vas-y, t'y retournes. Impeccable. Hache des piquants, une scie. Voilà, ah bah là, laisse tomber. Là, c'est bon. On est en train d'en faire des défis, mon vieux. J'arrive même plus à suivre les défis que je suis en train de faire. C'est un truc de fou, quoi. Ok, stop l'expérience. Là, on a fait encore des défis, donc ça, c'est plutôt cool. Frapper les monstres avec une hache 20 fois. Alors, attendez, c'est quoi ça? Canon glacial. Je sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Et puis, dans tout ça, on va mettre un fusil à pompe. Vas-y. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh! Regardez comment que ça monte en haut. Regardez comment que ça monte en haut, un truc de fou. Là, il y a moyen qu'on débloque des trucs. Allez, vas-y. Ah, merde. Ah, ils se sont usés, les canons à glace. C'est dommage. Ah, c'est con, quoi. Attends, ah, quoique. Ah, oui. Ah, on y est presque. Il y a presque moyen que je débloque encore un truc. Allez, ouais. Allez, allez, allez. Non. Ah, yes. Canon d'acide. Canon d'acide débloqué. J'ai envie de tester les monstres. Frapper les monstres avec une hache 20 fois. Allez, vas-y. Vas-y, fais péter. Voilà, yes, le défi là, il est rempli. Ok, nickel. 7 monstres ont mordu un soumis à l'expérience. Nickel, c'est parfait. Ah, par contre, j'ai des points d'expérience à mettre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer la hache. Ok, ça c'est parfait, nickel. Ah ouais, bah direct, hein. Carrément. Voilà, impeccable. C'est l'heure de la session lance-flamme. Attention, c'est parti, on part pour le défi appliquer 4000 des points de dommages, donc ça c'est plutôt cool.
les points de dommage. Allez, c'est parti. Vas-y. Là, il y a moyen. Ça monte, mais alors, au niveau de la barre jaune, là, je sais pas si ça va le faire. Par contre, au niveau de là, ça devrait le faire. Oh non, je suis dégoûté. Là, ça devrait le faire. Là, ça devrait le faire. Yes. Voilà, c'est impeccable. Nickel. Et les 4000 points de damage, je pense que là, on les a easy. Ça devrait le faire à l'aise. Allez, il manque pas grand-chose. Les 4000 points. Yes. On les a fait. 500 points de dommage causés par un lance-flamme sur des piquants. Ok, d'accord. Donc déjà, on va mettre des piquants. Ça, c'est parfait. Allez, là, l'histoire des lance-flammes sur les piquants, ça devrait le faire. Voilà, nickel. Allez, encore un petit effort. Encore. Voilà. Impeccable. Ça, c'est nickel. Ok. Sur ce coup-là, j'avais envie de faire une petite expérience sociale. Je vais voir comment qui s'en sort avec tout cet admin. Attention, c'est parti. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Ce que je voudrais, c'est dépasser la barre jaune, là. Voilà. Je pense que, en faisant une petite expérience sociale avec les mines, il y a moyen de faire quelque chose. Ou pas. C'est pas sûr. Faudrait que ça arrive jusqu'à l'éclair. Allez. Non, c'est mort. C'est mort. C'est dommage, c'était pas loin. Deuxième petite expérience sociale. C'est une petite expérience personnelle, on va dire. J'ai envie de voir ce que ça fait. Allez, vas-y. Est-ce qu'il y a moyen de... Oh, c'est dommage, on y était presque. Mon expérience sociale a marché. Bon les gens, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Happy Room. En tout cas, je suis plutôt content parce qu'on a bien avancé. On a fait de bonnes expériences dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.